Salut tout le monde, c'est Eden et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 avec un petit gameplay, un petit gameplay au calme, classique, rien de très folichon. On va juste jouer à la mire. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué justement et je me suis dit pourquoi pas justement en profiter pour faire une vidéo. Donc on va aller en MME tout de suite en trouvant, bah, merde, je crois que j'ai vu un groupe de 5 ou 6 sur Nuketown. Bon, j'ai l'impression en ce moment qu'à chaque fois que je vous fais une vidéo, c'est sur Nuketown. Non, mais bon, c'est vrai qu'on connaît pas trop la map. Hein. On a besoin de l'observer un petit peu. Hein. C'est vrai qu'il y a des coins qu'on connaît pas trop. Hein. Mais donc voilà, j'avais envie de vous faire bah, justement une vidéo à la mire. Parce que j'ai quand même un peu joué. Hein. Je vous cache pas avant de faire cette vidéo. Autant ma partie chauffe qu'en multi, j'ai quand même joué un peu. Mais c'est vrai que je sais pas, je m'y suis remis hier, je jouais que au scope normal. Donc rien d'exceptionnel comme tout le monde peut y jouer. Mais je me fais défoncer, mais ça change pas d'habitude. Hein. Mais justement j'avais un bon shoot à la mire justement hier soir, et je me suis dit bah pourquoi pas demain faire une vidéo dessus. Et pour tous ceux qui en parlant des vidéos, je pense que vous l'aurez. Putain de sa mère. Vous l'avez remarqué ces derniers temps, enfin la fin de. Enfin non, de ce début de semaine justement. Ce n'est pas en fin de semaine, qu'est-ce qu'il dit lui? Oh la vache, je me suis éclaté contre la voiture. Je pense que vous l'avez remarqué en ces débuts de semaine sur mon rythme de vidéo qui est beaucoup plus important, hein, et que je suis redevenu un peu beaucoup plus, hein, je sais pas français mais j'en ai rien à foutre. Un peu beaucoup plus actif. C'est vrai que j'ai décidé de reprendre mon rythme. Non, parce qu'il y a le ventilo qui fait bouger ma porte. J'ai décidé. J'ai décidé de reprendre un rythme de vidéo quotidien, de faire une vidéo par jour. Donc pour ceux qui ont loupé justement les vidéos de ce début de semaine, vous pouvez toujours aller les voir. Je vais pas vous les mettre dans la description, il y a quand même 4 vidéos. Donc bon, vous allez juste aller sur ma chaîne et regarder les dernières. Je pense pas que vous soyez aussi con que ça, hein, quand même, faut pas déconner, hein, je vais pas vous prendre pour les assister tout le temps, hein. Mais voilà, j'ai décidé de faire une vidéo par jour. C'est clair que ces derniers temps, ces derniers mois, c'est vrai que ma chaîne a vraiment perdu, que ce soit en vue ou en abonnés ou quoi que ce soit. Mais je suis toujours là parce que, comme je l'ai toujours dit et je le répéterai toujours, je suis pas là pour faire le buzz, machin, et récupérer le maximum d'abonnés ou faire le maximum de vues par vidéo. Je le fais parce que j'aime faire des vidéos, justement, parce que, justement, tous les jours, j'ai des gens qui me disent de continuer, de pas d'arrêter, et j'ai à chaque vidéo des commentaires qui me disent que c'est bien, machin, qu'ils aiment ce que je fais, et qu'ils ont pas du tout envie de me voir partir, et moi-même, je n'ai pas envie de partir, justement, la preuve, dès le début de mon chômage, justement, que je suis au début de mon chômage, j'ai envie de reprendre les vidéos et de faire des vidéos par jour. Parce que justement, une vidéo par jour, j'ai envie de la faire. Dès que je me lève, j'ai envie de faire ma vidéo, faire le montage. Après, c'est fini. J'ai ma vie. Je peux très bien sortir et faire ce que je veux. Et c'est en aucun cas une contrainte. Il y a beaucoup de gens qui diront, ouais, c'est dur à gérer un rythme d'une vidéo par jour. Je sais pas, tu peux t'organiser, faire ta vidéo, faire ton montage, machin, la programmer pour qu'elle sorte le jour même. Quand t'as une bonne connexion, pas comme moi, hein, je le fais la veille. Mais voilà, le jour même ou la veille, tu t'y prends, machin, tu fais ta vidéo, et puis allez, basta, tu le fais dès le matin, et après, t'as tout l'après-midi pour toi, t'as toute ta journée tranquille, tu fais ce que tu veux. Ouais, mais en aucun cas, c'est une contrainte, encore moins pour moi, parce que justement, j'aime faire ce nombre de vidéos, donc une vidéo par jour, et en plus, faut que ce soit des petites vidéos, des grosses vidéos, tout me plaît et je prends plaisir à le faire justement. Que je rage ou quoi en jeu, moi je sais que ça vous fait rire, donc j'en ai rien à foutre, je vais continuer de rager de toute façon, ça changera pas. Mais j'aime faire ce genre de choses. C'est vrai que ces derniers temps, justement, je peux m'en vouloir qu'à moi-même d'avoir perdu ces abonnés et ces vues-là, parce que j'ai été très inactif et avec mon boulot justement, là c'était difficile de gérer ma chaîne YouTube justement. Par contre, je vais quitter parce que je sens que je vais me taper un lobby injoignable à 3 contre 4. Mais ouais, c'est vrai qu'avec mon travail, justement, c'était dur de gérer justement ce rythme de vidéo. Même surtout que je faisais une à deux vidéos par semaine de base. Ce rythme-là déjà était difficile à gérer. Au final, les derniers temps, j'étais qu'à une seule vidéo par jour. Parce que justement, c'était trop dur à gérer. J'avais pas assez de temps. Le boulot me prenait toute la journée. Donc je rentrais à 4 heures, mais je me levais à 6 heures du mat.
Et je rentrais chez moi, j'étais limite crevé. Ça allait se voir sur ma gueule que j'étais crevé, que je faisais une vidéo. J'avais pas envie de vous faire une vidéo par jour en plus du boulot, avec une tête de déterré et de mec. Et puis surtout que je pouvais pas, j'étais trop crevé. Je rentrais chez moi, limite je m'endormais sur place. Donc si je devais en plus faire la vidéo, en plus le montage, attendre que le rendu il se fasse et programmer la vidéo et tout ça, sachant que j'ai pas niveau connexion pour l'upload, bah je suis obligé de le laisser la nuit. Et voilà, bah, j'ai pas forcément la force ni le temps de le faire. Donc c'est vrai que là j'en profite que je sois au chômage justement. Profite, le mec il profite du chômage, hein, évidemment. Les sous-sous, on travaille pas les sous-sous. Je profite justement que je sois au chômage du temps que j'ai pour vous faire des vidéos justement. Et justement c'est que du bénéf. Moi c'est clair que ça va vous faire plaisir de me revoir actif, d'avoir une vidéo par jour. De vous dire que chaque jour machin, vous pourrez attendre la vidéo et vous dire mais qu'est-ce qui va nous sortir machin ou quoi que ce soit, et vous au moins tous les jours si vous n'avez pas de vidéo à regarder d'autres youtubeurs, j'ai pas de nom qui viennent en tête ou quoi, je connais pas les rythmes des vidéos de tout le monde. Mais il y a bien des gens qui font pas des vidéos par jour machin et qui des fois vous le soir vous avez envie de regarder des vidéos de vos youtubeurs préférés et il a pas sorti de vidéo ce jour-là, donc vous êtes obligé d'attendre un autre jour. Je dis pas que je suis votre youtubeur préféré. Attention, mais si vous regardez ma vidéo, c'est que peut-être que je le suis. Comprends? Non? Bah, réfléchis. Mais voilà, moi, au moins vous aurez une vidéo de moi tous les jours, tous les soirs. Et d'ailleurs, je pense, comme j'ai fait au tout début de la semaine, jusqu'à maintenant, toute la semaine. Non, pas toute la semaine. Qu'est-ce que je dis? Non, aujourd'hui, on est mercredi. Quand je vous regarde la vidéo, si elle sort, si vous regardez le jour de la vidéo où elle sort, on est jeudi, mais je filme cette vidéo mercredi. Et j'ai sorti justement une vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai sorti aujourd'hui? Ah, les highlights. Je l'ai sorti à 21h. Ma réponse solo du Sniping Showdown, je l'ai sorti à 21h aussi. Parce que pour moi, c'est une heure justement où les gens qui ne regardent pas la télé, comme moi, j'en fais partie. À part pour le foot, évidemment, je regarde que le foot en général à la télé, mais sinon je regarde pas la télé. 21h, c'est le soir, c'est l'heure où il y a le film, machin, le film du soir, ou l'activité du soir, le match de foot ou machin. Je me dis que les gens, quand ils veulent regarder des vidéos YouTube, c'est à cette heure-là, quoi. C'est pas à 18h, soit quand ils rentrent des cours, ou que. Même si, bon, là, en ce moment, c'est les vacances, et qu'il n'y a pas forcément d'activité, ou que c'est à peu près le même nombre de vues à n'importe quelle heure où vous sortez la vidéo, mais. Moi, je me dis que je préfère justement sortir des vidéos à cette heure-ci et que vous ayez votre vidéo le soir, machin. S'il n'y a rien à la télé, justement, vous n'avez rien à faire de votre soirée, au moins vous avez la vidéo à regarder, plus ou moins longue, évidemment, parce que je vais pas toujours faire que des petites ou que des grandes. C'est vrai que les gameplays, justement, comme ça, vous avez été beaucoup à me dire que vous préfériez ça au montage. Après, c'est peut-être pas forcément tous. Vous n'avez pas tous forcément le même avis. Ça faisait longtemps justement que j'avais pas fait des gameplays en live machin ou des où je vous parle ou tout simplement que je suis en train de rager en live ou quoi que ce soit. C'est clair que j'avais pas fait depuis longtemps. Je vous avais réservé que des highlights pendant que j'étais encore au boulot justement, parce que justement c'était le truc le plus facile à monter et à sortir en fait. C'est pas long, le rendu est pas long, le upload est pas long. C'est que des moments que je garde pendant que je joue, donc j'ai même pas besoin de me préparer ou quoi que ce soit, ou que ce soit webcam ou quoi que ce soit. Donc voilà, je joue, je garde les meilleurs moments et je vous les rassemble dans une seule vidéo et je la sors. Donc forcément, c'était plus simple que pour moi. C'était le seul moyen que j'avais de rester actif sur ma chaîne et je pouvais pas en faire plus. Donc c'est clair que maintenant que j'ai le temps, largement le temps, de vous faire d'autres genres de vidéos, j'ai pas hésité à recommencer à faire des vidéos de ce genre-là. Et c'est clair que quand j'aurai la fibre. Alors ça, je vous redirai quand, mais je sais toujours pas. Merde, non. Putain. Quand j'aurai la fibre, il y aura les lives aussi. Bon, forcément, ce sera peut-être plus le week-end, parce que forcément, au bout d'un moment, je vais peut-être retravailler. Ah, putain, mais comment je le loupe. Mais voilà, j'aurai le temps de faire des lives, de profiter avec vous, justement, de découvrir autre chose, parce que c'est vrai que. Bon, ça, j'y découvre pas forcément parce que j'en ai fait quand même quelques-uns de live avant avec ma connexion, mais bon, c'est pas non plus terrible parce que j'avais pas non plus le même ordi, donc comme ça bouffe beaucoup, bah, c'était pas l'idéal pour faire des lives.
Mais maintenant je sais que j'ai l'ordi, il manque plus que la connexion, et quand j'aurai la connexion, c'est vrai que ça sera plus facile pour moi et plus on se sentira plus proche, voyez-vous. On sera plus proche et vous pourrez forcément me poser les questions directement comme vous pouvez le faire sur Twitter déjà, certains qui le font déjà. Je leur réponds et tout ça, mais c'est vrai qu'en live c'est quand même autre chose. C'est vrai qu'on peut vivre ensemble le gameplay. Et se poser vraiment des questions réelles et que je puisse y répondre directement. Ah merde. Oh putain, j'avais la killcam, mais quel con. Mais quel con. Quel con. Si je loupais pas ma balle, j'avais au moins la quad feed ou la Fion. Non, je pense que j'avais la quad feed qui came. Ouais, c'est ça, de parler, d'ouvrir sa gueule, et qu'on se concentre pas sur le jeu, là. Forcément. Putain. Mais, voilà, je disais, les lives, c'est vrai que c'est autre chose que les gameplays, autre chose que les commentaires YouTube ou quoi que ce soit, même de Twitter. Même sur Twitter, on est quand même plus proche que des commentaires YouTube. C'est vrai que les lives, c'est rien à voir. C'est clair que c'est en temps direct. Vous pouvez réagir en temps direct, je peux réagir avec vous, interagir, parler, répondre à toutes vos questions et vos interrogations. Et c'est vrai que certaines choses que je peux pas forcément, comment dire, que j'aurais peut-être pas le temps de vous faire en vidéo ou en vlog, ou des choses que j'oublie de vous dire en vidéo, vous pouvez me le rappeler tout ça, et je peux vous le redire en temps direct si j'ai oublié de vous tenir informé de certaines choses, de certaines informations, de certaines vidéos qui sortiront tel jour ou de tel jour, où je ne peux pas sortir justement de vidéo et que vous n'êtes pas au courant. Moi, je pourrais vous le dire. Les lives, c'est vrai que c'est autre chose. C'est clair que c'est une autre ambiance. Tu sais que les gens, ils sont vraiment là pour toi, pour ce que tu fais, pour ce que tu... pour ta façon de jouer, pour ta personnalité, et non pas pour... ils sont là juste parce qu'ils passent sur... comme sur YouTube, ils passent sur ta vidéo, ils tombent dessus, machin. C'est clair que les lives, ça attire aussi d'autres personnes, parce que beaucoup de gens aiment regarder des lives de personnes et de YouTubeurs. Et c'est clair que moi, si j'avais la possibilité justement de faire des lives, j'en ferais énormément. Mais le problème, c'est que je peux pas pour l'instant, donc forcément, il faudra attendre que j'ai la connexion. Mais quand je l'aurai, c'est vrai que je vais pouvoir en faire, et je vais essayer d'en faire un maximum, parce que je sais que vous aimez beaucoup ça. Donc voilà, c'est clair que c'est une autre ambiance, que les vidéos, mais j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire, dès que j'aurai la possibilité de le faire, je le ferai. Et voilà, c'est clair que ce sera autre chose. Mais pour l'instant, c'était juste pour vous tenir informé de ce qui se passe en ce moment sur ma chaîne, de ce qui va se passer justement prochainement sur ma chaîne, du rythme de vidéo, des heures de vidéo. Comme ça, je vous le dis maintenant sur cette vidéo, comme ça vous êtes au courant. Vous ne pourrez pas dire « Ah, j'étais pas au courant !» si c'était dans la vidéo. Et voilà, au moins je vous le dis, vous êtes au courant. Vous pourrez pas dire, vous pourrez pas faire genre vous avez pas regardé la vidéo, ou j'ai oublié de regarder ta vidéo, vous avez pas liké. Si j'ai pas de like sur les prochaines vidéos, je vous tue. Parce que c'était, je vous le dis là maintenant, sur ma fesse, hein. J'ai une fesse ici, sur ma face, je vous le dis là maintenant, telle heure, 21h, tous les jours, une vidéo de moi, la canne Eden, moi, voilà. Et si j'ai pas de like, vous allez voir vos tronches, vos fesses, là. Vous allez voir. Bon, puisque maintenant j'ai fait deux games à parler, à discutailler comme je fais d'habitude, à jamais pouvoir m'arrêter là, peut-être pouvoir se concentrer, essayer de rentrer un clip comme j'ai fait y rentrer tout à l'heure et que j'ai pas pu, parce que j'ai loupé ma balle comme un gros con. En plus, je vous ai dit en début de vidéo, ouais, le mec... ouais, j'ai testé la mire hier, j'avais un putain de chou, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo Putain, je suis un peu marseillais moi sur les bords. Hein. Merde. Oh putain, il y en avait un là. Hop, pardon. Forcément, il y a son petit copain qui suit. Hein. Le mec, il avait pas retiré sa quéquette de son cul encore. Forcément, tu lui enlèves. Bah, il a pas eu le temps de la ranger, il suit. Il y en a là. Oh putain, il y en a un dans l'escalier. Eh bien. Eh bien. Voilà. Un bouffe. Après, c'est clair que pour les plus anciens, justement, ceux qui me suivaient sur les Road to Clip ou les... Bah, à l'époque des Road to Clip sur BO2, tout ça, savent que j'aimais déjà beaucoup la mire.
sur BO2, mais c'est clair que ça n'a rien à voir sur BO3, c'est une autre mire beaucoup plus différente. Un peu plus difficile à utiliser, je trouve que déjà sur BE2, c'est pas l'accessoire que tout le monde utilise et le snipe le plus difficile, enfin le plus facile à utiliser justement avec la mire. Mais c'est vrai que sur BO3, c'est quand même autre chose, et c'est clair que c'est un peu plus dur encore. Mais justement, vous savez très bien comment je suis, que moi je préfère justement les choses plus difficiles et les jeux plus difficiles les uns que les autres, comme BO1 ou comme les. Bah les snipes ou pas tout. Enfin les jeux où pas n'importe quelle personne peut rentrer certains clips où c'est facile de rentrer n'importe quel clip. Je veux dire c'est. Je préfère quand c'est plus difficile qu'il y a un. Je préfère me poser des challenges à moi-même en fait. Me lancer des challenges et voilà, c'est clair que moi là je joue à la mire parce que c'est un truc plus un peu plus difficile. Mais que j'ai. Puis en plus que j'ai toujours aimé jouer justement à la mire. Mais en plus sur BO3 c'est. Encore plus dur, donc ça me pousse encore plus à y jouer et à essayer de rentrer un clip. Et le jour où je rentre des clips, bah c'est, je suis deux fois plus content que si je rentre un clip avec un snipe que tout le monde utilise ou un accessoire que tout le monde utilise, quoi. Oh putain. Ah, t'as fait prendre le train! Bah moi je passe en dessous. Ah bah non. J'ai une trop grosse tête, forcément, j'ai pris le melon, je passe plus les trains, moi. Il faudrait peut-être que je me concentre un petit peu plus, hein. Parce que bon. C'est pas le tout, mais. Putain. Ça va arriver là. Non. Putain, je t'ai vu, toi. Oh là là. Oh là là, le shoot de merde. Oh putain. Y en a là. Non mais j'aime pas ce streak en plus, même quand il te tue pas il te. Ça trempe partout là, je vois pas droit, je vois pas droit. Droit, je sais plus parler. Je peux pas tirer droit et je peux pas viser droit. La merde. Ta gueule toi. Ta gueule je parle. Y'en a un là. Oh, il l'a buté. Oh viens là toi. Il est où? Oh le bâtard, oh le bâtard. Non, non, non. Tiens, bouffe. Culé, tiens. Ton lance-patate. Hitmarker. Eh, mais c'est le même qui m'a sorti le lance-roquette, là. Non. J'étais trop près. Généralement, tu te mets pas aussi près, là, au spot. Là. Mec, ils tombent trop facilement, ici. Ah, je suis premier. Bah, putain. En plus, je fais de la merde. Les alliés doivent pas être très fut-fut, hein. Ça va être dans mon dos là, je vais rien comprendre. Évidemment. Ah, il y en avait un derrière. Ah, sautez tous comme ça, allez-y. Poule! Non? Merde. Mais je sais que le spot c'est ici. Quand il saute pas, quand même. Mettre un petit drone. Putain, ça arrive. Non. Ah putain, je voulais faire le malin à glisser là. Mais Dieu fait de la regarder. Enfin, d'attendre. Merde. Pff, quel con. Je l'avais tué avec ma flash, je me suis dit c'est pas possible. Allez, encore. Non, t'es là toi. Est-ce qu'il y a du monde? Vous êtes cachés? Coucou. Je suis mauvais. Allez, allez, il y aura du monde qui est arrivé là. Non. Putain. Je suis sûr, il me tire même pas dessus en fait. Il tire sur l'autre, voilà. Voilà.
Moi, comme un con, je passe devant, genre, laissez-moi passer, c'est mon tour. J'ai pris mon ticket, c'est mon numéro. Non, non, non. Pff, oh, ce que t'as pris. Non, 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 putain. J'essaie d'en éviter un, j'arrive sur un autre, là. Putain, j'aurais bien la kill cam, moi. Putain, si je meurs pas, évidemment. Mais. Ah ouais, mais non, je me disais, c'est un autre qui m'a buté. Dans ma tête, j'étais en train de me dire, j'ai la quad kill cam, dès que j'ai loupé une balle, c'était fini. Je me suis dit, j'ai rien du tout. Oh putain, 35-17. Bon, bah c'est un... Ça a commencé plutôt, hein, mais ça a fini, hein, voilà. Vous m'avez compris. Mais il n'y a pas eu de clip. C'est vrai qu'on a eu quand même une bonne occasion sur Exodus, que j'ai complètement chié dans la colle. Mais en tout cas voilà, j'ai fait quand même un bon score sur cette partie-là. On a fait trois petites games plutôt sympathiques et je vous ai plutôt informé sur l'intégralité de ma chaîne et tout ce qui va se passer à l'avenir. Donc j'espère en tout cas que toutes ces infos vous serviront et que ce gameplay vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous, lâchez le petit like, hein, parce que ça fait toujours plaisir, ça donne le sourire, la banane. Un commentaire, moi je vous dis à plus prochaine vidéo, ciao. Edge kill, edge kill, edge.